Une demi-heure après la brillante exécution de la fête polonaise de Chabrier par Yuval Zaniuk, les résultats étaient proclamés officiellement. En catégorie non professionnelle, pas de premier prix cette année, mais une première mention décernée à Garcia Navarro, espagnol. En professionnel, le premier prix a été décerné à Yuval Zaniuk, israélien, déjà présent l'année dernière. Cette année-là, je vous le rappelle, le premier prix n'avait pas été décerné. Yuval Zaniuk reçoit son prix des mains de M. Minjou. Pas de femme au palmarès cette année, mais des concurrents et un premier prix très brillant. Les candidats sont venus nous rendre visite dans nos studios pour nous faire part de leurs impressions après leur succès. À l'aide d'un interprète, nous avons demandé en particulier à Garcia Navarro s'il pensait que cette distinction serait profitable pour sa carrière. Il y a longtemps que j'espérais venir au concours de Besançon car le festival est réputé dans le monde et c'est une excellente chose pour ma carrière d'avoir été finaliste à ce concours. Monsieur Yuval Zaniuk, vous avez brillamment remporté hier le premier prix du concours des jeunes chefs d'orchestre professionnels au festival de Besançon. Vous êtes israélien, de Haïfa, je crois, mais vous vivez à Londres. Pensez-vous que ce succès va être profitable pour votre carrière? J'espère que oui. L'année passée, quand j'ai pris la première mention, c'était assez profitable. Alors, j'espère que cette année... Vous avez donc eu des résultats cette année à la suite de ce demi-succès de l'an dernier. Est-ce que vous avez dirigé des grands orchestres? J'ai dirigé l'orchestre symphonie de Birmingham en Angleterre. Et j'ai dirigé l'orchestre symphonie de Haïfa, qui est très bonne. Et l'année prochaine, il y a quelques contrats qui vous attendent à la suite de ce succès. Comptez-vous diriger un orchestre en France bientôt? Oui, j'espère beaucoup parce que j'aime la musique française, j'aime la France et je vais faire un travail ici.